وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout grand deuil pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction le Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'un hadith: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: لا يأتي زمان, pain aucun l'époque qui peut venir, إلا والذي من بعده, إلا والذي بعده, excepté que l'époque qui peut suivre l'époque avant là, l'époque plus pire. Et ça, nous fait un témoin. Et ça, depuis le commencement de l'islam. L'âge d'eau de l'islam, c'était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khayrun nasi qarni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: meilleur du monde, c'est dans mon époque. L'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque Mubarak, c'est l'époque bénie, l'auban musulman. Ensuite, l'époque ban sahaba, ensuite l'époque ban tabi'in, ban qui fin suivre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous fin arrive à cette époque qui nous peut vivre. Alors, quand nous pouvons dans l'histoire, nous pouvons trouver que chaque l'époque qui vient, nous trouve l'islam qui vient plus en danger. Ban musulman, vous commencez à dévier du droit chemin. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam était pur, l'islam était authentique. C'était Coran, l'application Coran, conformément à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'application, l'enseignement direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'époque de Ban Sahaba fin continue dans sa chemin. Thumma alladhina ala al-athar. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ensuite, ben qui peut suivre mes traces. Ben Jimon fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ayyun nas khayr, qui meilleur insan? Il dit: ana, moi, meilleur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meilleur dans tout insan. Walladhina ma'i. Et aussi, ben qui avec moi, qui veut dire mon ben sahaba. Thumma alladhina ala al-athar. Thumma alladhina ala al-athar. Ensuite, ben qui fin vin après moi. C'est-à-dire ben tabi'in. Ensuite, ben qui fin vin après moi, après ben là, c'est ben tabi'a tabi'in, les trois générations. Abu Hurayra radiyallahu an, dans ce hadith-là, le narrateur a dit: ka'annahu rafada man baqiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin mentionne trois meilleures générations: khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, les trois premières générations. Alors Abu Huraira radiyallahu anhu dit comme ça, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dissocier lui avec les autres, l'époque qui peut venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dissocier lui avec les autres, l'époque qui peut venir. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dissocier lui avec les autres, l'époque qui peut venir, moi ou si nous en vie pratique l'islam qui a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin amené, qu'est-ce que nous faisons ça? Dans le livre Berelwi, dans le livre Hamari Kitab, dans le livre Sheikh, ou bien dans le Coran et l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas une question ça. Où nous faisons ces réponses? Alors donc, si on a l'esprit matière grise qui est encore peut fonctionner dans la cervelle, où nous faisons qui quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dissocié avec les autres l'époque, qui veut dire si on a envie de trapper le droit chemin, ou on a envie de suivre dîn Allah, ou peina autre option excepté suivre Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, conformément à la pratique de Ban Sahaba et consensus qui finira dans sa trois l'époque qui fin mentionnée dans sa hadith. Mais chaque l'époque qui fin venir nous trouve, veut dire comment Jimon régresser, comment l'islam, les musulmans commencent à éloigner avec dîn. On trouve beaucoup fitna. Qui chaque l'époque pour plus pire, finit à beaucoup division dans la religion, finit à beaucoup la guerre, finit à beaucoup dissension dans tous les sens. Économiquement, barakat qui commence à enlever. Politiquement, nous ne commençons pas à dire de l'année après l'année, l'époque après l'époque, quand on guette l'époque avant, qui quantité l'islam tient à l'autorité mainmise, l'autre territoire dans le monde. Quand vous êtes aujourd'hui, vous finissez cantonné l'obanti portion terrain qui anglais, il veut dire, il rayait le map avec crayon. Il donne ça pour toi à la score.
ça pour toi arabe, ça pour toi bengali, ça pour toi india. Il fait ça anglais, il donne un petit bout de miette, alors que nous musulmans, nous qui contrôlons le monde. Pas qu'à casser ça, dans l'histoire ça, musulmans qui contrôlent le monde. Mais le problème, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, livré, qui chaque époque, pour une désintégration de sa communauté. Politiquement parlant, nous n'avons plus l'influence. Alors qu'avant, quand Amr ibn al-As, il peut dire avec l'empereur de Chine, l'empereur, c'est un grand empire ça, la Chine. Il dit, si tu causes beaucoup, je vais envahir ton pays. Je vais faire un serment à l'endroit de là. Je vais faire une négociation pour qui les autres tranquilles. Les là pour les capables, exauce ce serment qu'il définit faire. Banda si prend la terre, l'eau en plateau prend la terre dans la Chine, vient mettre devant Amr ibn al-As pour lui poser sur les pieds l'eau là, pour lui capable de réaliser ce serment parce qu'il décidait de pouvoir atterrir de ce territoire. Alors donc, quelle qualité politiquement nous était aujourd'hui, frère en islam, pour en paix 10 ans, nos bons frères, nos bons sœurs couler, nous encore payer la guerre. Nous encore peut diviser. Nous encore peut nous l'avantage. Nous encore peut nous confort. Nous encore peut qui nous pour gagner si nous allons de l'avant. Qui nous pour perdre. Alors à la fin, au fin de finit qu'un résultat, il n'arrive plus qu'il y a un mois, puis à l'autre des mois, 20 000 à 25 000 innocents morts, personne pas fait, veut dire le premier pas tant sur l'IPA. N'archa! Nous payons attention, nous gagnons, nous payons les conséquences économiquement, ou bien politiquement, ou bien géopolitiquement. Attention, arrive nous problème. Alors donc, voilà, veut dire, côté politique aussi pareil, nous fini, veut dire, désintégrer politiquement, désintégrer démographiquement, désintégrer économiquement. L'économie mondiale, si dans l'armée musulmane, l'économie mondiale qui dans l'armée musulmane, quand vous êtes l'empire Andalousie, quand vous êtes l'empire Abbaside, quand vous êtes l'empire Umayyide, quand vous êtes l'empire Ottoman, qui s'en a super contrôle l'économie, qui s'en a super contrôle, veut dire commerce, l'eau, la mer, l'eau, la terre, c'était musulman, mais nous finissons désintégrés de jour en jour. Nous finissons désintégrés par rapport à nos bonnes vertus, nos bonnes morales, nos bonnes valeurs morales. Quand vous êtes un musulman aujourd'hui, qui restait dans sa musulman, apporte ce nom avec un détroit, veut dire lever Roukou, Sijda, qui restait dans lui. Quand vous êtes sur Akhlaq, quand vous comparez avec l'époque Sahaba, Pina, l'orgueil envahit lui, Fakar envahit lui, ce l'orgueil fait lui refuse la vérité, ce l'orgueil fait lui, veut dire, pas courber vis-à-vis Allah, ce Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, l'évine vantard, l'évine orgueilleux. Il peut la qualité dans lui, générosité, il commence à diminuer. Alors qu'il y a un sahaba, cette générosité à cette époque, qui acceptait mort, mais s'offrait vivre. Il peut mort de soif, mais seulement il peut penser s'offrir avant il pense libre. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin prédire, « La yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. » Il n'est pas pour une vraie iman complète, tant qu'il n'est pas content, qu'un musulman n'est pas content pour s'offrir. Qu'il chose de bon, qu'il est content pour lui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous capables, veut dire, donne priorité, nos frères musulmans, aux dépens de nous-mêmes? Et en quoi existe ça? Oui, un million, ou capable de sacrifier où? Ou madame, ou enfants pour frères musulmans? Ou capable de faire les aujourd'hui? Ou capable de vaquer tout la case? Allez, prends la case là pour. Mais si, moi, va le rester locataire, moi, prends-lui, prends mon loto, prends garage, prends tout pour. Ou capable de faire ça? Ça, dans le monde des mots et merveilles aussi, n'a pas existé ça. Mais dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tient à lui. Ou quand sa sahabi, si je divise mon milliard en deux, prends la moitié là-dedans. Mon de madame, mon donne un talak, prends une là-dedans. Ça, c'était sahabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu, qui prend tout son richesse, un roupie, il n'est pas quitté. Il finit mettre ça, djihad, fi sabilillah. Mais de l'autre côté, qui il finit quitté? Il dit, mon fin quitte Allah wa Rasoulou. Mon fin quitte Allah wa Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Radiallahu, Abu Bakr radiallahu an. Allah satisfait avec lui. Alors donc, nous trouvons que même côté moral, côté akhlaq, une indifférence entre Saban Salaf. Une indifférence entre Saban là avec Ban musulman aujourd'hui.
nos imams, nos ibadat. Nos ibadat. Qu'est-ce qui arrive nos ibadat? Aujourd'hui, nous faisons 5 fois namaz, nous finissons, nous sentons, nous finissons, Allah. Nous faisons 5 fois namaz, nous sentons, nous commençons à délaiser, nous sentons délaiser avec nous, nous sentons, nous puis envoler avec 5 namaz qui nous fait. Mais quand vous êtes avant votre ibadat, du monde, tu peux débouter tout au long de la nuit, tu peux faire ibadat. Donc, tu peux faire Siyam et Daoud, Enzou, Gadroza, Enzou, pas Gadroza. Donc, tu es dans Qiyam al-Layl. Donc, tu peux considérer du monde qui ne peut pas faire Qiyam al-Layl comme un mauvais du monde. Pas 5 fois namaz. Maoula, Imam Malik, rahmatullahi alayhi, les vannes sont esclaves avec un djimoun. Les vannes sont esclaves. Les vannes sont esclaves avec un autre djimoun. Alors quand arrive la nuit, esclave in levé. Qui fait esclave in levé? L'in levé, il amène de l'eau pour se mettre, faire wazou pour faire qiyamul layl. Mais mettre là, pas levé, qiyamul layl, in levé, solatul fajr. Grabaté à côté, il y a un côté Imam Malik qui dit, retourne-moi, moi pas pour rester avec lui parce qu'il n'est pas fait qiyamul layl. Trouvez dans tout qui te chose, régresser dans le monde matériel, dans nos moralités, dans nos akhlaq, économiquement, politiquement, nous tous nous régresser. Mais surtout, frères en islam, déviation dans l'aqida. Déviation dans l'aqida, ça c'est un plus gros problème. Tout ça c'est un problème même. Mais quand on trouve aujourd'hui, frères en islam, nous sommes capables, nous pouvons commencer à pratiquer un islam qui n'a pas existé à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous Allah qui lit l'inique dans tous les sens du mot. Ensuite, ena ban esclave parmi ban prophète esclave. Ban prophète c'était ban esclave d'Allah. La tutruni kama utrat an-nasara Isa ibn Maryam fa innama ana 'abdullah wa rasuluh. N'a pas exagéré dans faire mon éloge, dans considérer moi. Pareil comme un chrétien fait exagérer dans Isa alayhi salam, je fais un tel niveau esclave d'Allah, messager d'Allah, je fais une faire un niveau bon Dieu. Alors pas faire ça avec moi. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tiens Allah wahdahu la sharika la laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Il est unique parce qu'il n'y a personne qui est comparable avec lui. Lam yakun kufu lahu kufuwan ahad, parce qu'il n'y a personne comparable. Parce qu'il y a une personne similaire avec lui. Ensuite, il y a une makhloukine. Il y a une créature. Parmi les créatures qui meilleurent, ana afdalu bani Adam wa la fakhr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une anbiya. Ensuite, il y a une sahaba, ridwanullahi alayhim. Alors donc, aujourd'hui, frères en islam, nous commençons à pratiquer un islam pareil comme dans un film grec. Il y a un bon Dieu, il y a un demi-bon Dieu. لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Nous poursuivons, nous poursuivons, ben قوم, jusqu'à ce que ce قوم-là rentre, pas par pas, coudé par coudé, jusqu'à ce que ce ben-là pour rentrer dans le trou, un ضب, veut dire un lézard dans le désert, ben musulmans pour rentrer ensemble, et c'est une place qui sont typique, qui les mordus si rentrent là-dedans. Alors, les sahabas ont dit, « Al-Yahoud ou al-Nasara, est-ce que, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous pouvons causer à propos de Yahoud et de chrétien ?» Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, « Faman, mais à propos, qui s'en a pas causé ?» Qui sont musulmans là, ils poursuivent. Ils poursuivent les chrétiens dans toute les déviation. Ils poursuivent les chrétiens. Comment les chrétiens font prend égal avec Allah ? Je fin faire Isa alayhi salam, « Laqad kafara alladhina qalu, inna Allah thalithu thalatha. » لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. Alors donc pareil aujourd'hui frères en islam, peuple ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est plus capable de faire différence entre Allah rabbul alamin avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est égal? Allah subhanahu wa ta'ala rabb Muhammad sallallahu alayhi wa sallam makhlouq. Oui, afdalu bani adam, afdalu al-khalq, mais c'est mali makhlouq. Fa innama ana abdullah, moi un esclave pour Allah. Wa rasuluh, et moi son messager. Faudrait pas nous mettre égal. Aj'altani lillahi niddan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dénonce fait élever un niveau Allah. Un jimoun jayab, un sahabi jayab, ma sha Allah wa shi'd. Toi avec Allah fin décider, ma shi'a. Ksana qui en a sa pouvoir décision quand il y a envie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
إن الله على كل شيء قدير. من صحابي جي بول أمور بول أمور تنشون أمور محبت اللي بيزا كادري تنشون محبت اللي يمنو في الشرك محبت اللي بيزا كادري في القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطان صحابي جي كونتا رسول الله صلى الله عليه وسلم جي يا رسول الله ما شاء الله وشيت محمد صلى الله عليه وسلم قولي أجعلتني لله ندا تو بخوا موا أن باطني أفك الله قل ما شاء الله وحده Dis Allah tout seul décidé. Mais aujourd'hui, frère en islam, voilà, nous pouvons faire une partie de la communauté, peut faire Nabi Karim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vient un demi-bon Dieu. Alors nous pouvons donner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis pire, nous pouvons donner une créature, l'Odunia, qui n'est pas même égale à un dernier sahabi. Mais il y a une sainte qui s'en a, après ben Anbiya, sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous pouvons faire une sainte normale, vin niveau gain attribué Allah subhanahu wa ta'ala zoji jimon pefia win jimon pie Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi mais ma kisa nasa anbiya sa non sahaba sa non linian nabi linian sahabi linian tabi'in linian tabi' tabi'in lini parmi ban a'immatu salaf li fin vin après mais aujourd'hui nous pefia li vin ilah min dunillah. Comment Jimon peut faire une ilah min dounillah? Comment Jimon fait une créature vin Allah ensemble avec Allah? Comment? Par donne les sifat. Nous donne sifat Allah, nous coquer haq Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, comme ça, ya Rasulallah, ma haqqullahi ala l'ibad. Qui Allah sous haq l'eau sous une créature? Ante abudu, nous bizadou li wa la tushriku bihi shay'an. Qui nous pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala? Alors aujourd'hui, frères en islam, par l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous bizaina, par l'amour pour ben salihin, qui nous peut faire, nous peut coquer haq Allah, sifat Allah, nous peut mettre ça avec insan, subhanallah. Est-ce qu'il nous peut encore musulmans? Wa ma yu'minu aktharuhum billah, illa wa hum mushrikoun. Beaucoup de gens qui je peux dire, je crois de Allah, mais seulement je ben mushrikin dans cette bonne action, dans cette bonne aqidah, dans cette bonne croyance, je fais shirk avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est loin de toute association. Donne chacun votre haq. Donne chacun votre niveau, votre qadar. Qadar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wahdahu la sharika. Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son haq, qui nous connaît son sifat, nous connaît qui Allah peut dire pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Reste dans le droit chemin. Déviation de l'aqida amène-nous dans l'enfer. Un jimon n'est pas venu devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un jimon pour venir. Il est venu avec 7 sijillat. Il est venu avec 7 dossiers le jour du Qiyamah. 7 dossiers. Mudd al-basar. Un dossier jusqu'à ce que tu trouves dans la merde, à l'horizon. Un dossier. 7. 7 comme ça. Qui est là-dedans? Il y a tout désobéissance. Zina. Crime. Désobéissance, haram, tout. Mais seulement, quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez, prends ce ban, dossier, mette-le au balance. وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Une balance juste qu'Allah fait mettre le jour du Qiyama. Pose côté gauche, ce ban péché, 7 dossiers, fini, baisse en bas, des balances baissées. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il me donne mon esclave, mon ibad, et n'a qu'une bonne action, à le guetter? Alors, ben, il a mis un petit code. Il dit, comme ça, t'es scharou minni. Je vais te faire moquer avec moi. Qui s'accorde là avec ça, 7 dossiers? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, non. Pena dhulm envers aucune créature aujourd'hui, mais c'est pesé. Mais quand il met sa petit code, l'eau balance côté droite, ça, 7 dossiers là, finalement, volé. Qui était ce petit code là? Qui était ça? C'est Tawhid Allah. Tawhid Allah. Ça, Jimon, l'un fait tout péché, il n'est pas fait shirk avec Allah. Qui n'arrive-lui à la fin? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushrak bih. Allah n'est pas pardonne celui qui met fait shirk avec lui. Il n'est pas pardonne celui qui prend sifat qui Allah mérite, il donne insan. Celui qui compare Allah avec sa créature, Allah n'est pas pardonne shirk. وَيَغْفِرُ لِمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.
Allah lui pardonne tout à part shirk s'il y a envie. Si Allah subhanahu wa ta'ala a envie de lui pardonner. Alors donc nous besoin tenir ferme le nu'aqidah. Nu'aqidah c'est Coran. L'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme un sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin apprendre, fin enseigner. Pas comme un sheikh, pas comme un mufti, pas comme un allama. Non. Din Allah, Al-Quran, Al-Ilm, قال Allah, قال الرسول والصحابة. Allah nous dit. Allah peut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ban sahaba, parce qu'Allah fin dire, suivre façon qui ban sahaba fin comprend. Pas les ou intimider, pas les sous en confusion. Ban jimoun qui permet livre, Sheikh Injia, Sheikh Razakhan Finjia, Sheikh Abdul Qadir Finjia, Sheikh Mubtadi Finjia, Sheikh Munharif Finjia, qui tout suivent Allah et son Rasoul, taraktu fikum ma intamassaktum bihima, falen tadillu ba'di abadam, ou fin qui dès qu'ils sont parmi eux, jamais eux pouvez garer, si je signifie un kitab Allah wa sunnati, mon Quran, parole Allah, et mon enseignement, ça dit la signifie. Parle dans qu'il ou alcool, tanjia, chèque indien un tel don. Suive Allah son Rasoul. Demain, on peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, nous pouvons débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons faire confronter Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yakumu nasu li rabbil alamin. On peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le kabar, on peut pour répondre, ma rabbouk. On peut répondre concernant au rab. Ou pour répondre concernant Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou pour répondre concernant din qui ont pratiqué, est-ce qu'il y a une quatrième question, ma sheikhouk, en a ça ou sheikh sanna, ou bien en a qui ou suivent, qui akida ou suivent, barelui, ou bien n'importe qui ban akida égaré, non, Allah son Rasul et son din, devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre nous, pour poser une question concernant ou ibadat, concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, concernant sa Qur'an, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura Qur'an, pour ça qu'il vous a répondu concernant sa Qur'an. Alors donc nous vous suivre, nous parlons nous dévier frères en islam qui nous suivent Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous suivre ça qui est authentique, nous pas dévier, parce qu'aujourd'hui c'est l'époque shubuhat, ça c'est zaman shubuhat. Shahwat infini, ça a tout, j'ai mon haram, pas, mais normal. Mais Shubuhat, fais attention. Doutance dans l'iman. Ou doutance dans l'iman, il paraît comme un goût de vinaigre dans un dexidilé. Khal vinaigre, quand on met dans le gilet, il gâte li. Doutance, comme un goût de doutance rentre dans l'équerre. Fini, trop tard. Fais attention. Pas les doutances rentrent dans l'équerre. Tini ferme avec sa Coran et Sunna, pas les ou influencés par doutance. La vérité, elle est claire. Il n'y a aucune confusion dans la vérité. La vérité, Allah dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Il y a confusion. Mais confusion côté, Cheikh India, tel Mufti India, tel livre, tel kitab India. Là, on peut gagner déviation. Alors donc, là, il y a un gros problème. Chaque semaine, nous peut trouver problème. Si maman, nous peut faire confusion, nous peut faire du monde, vivre niveau prophète, nous peut faire prophète, vivre niveau demi-bondier. Alors donc, tout ça là, c'est ban fitna qui est là. Un nouveau Mahdine paraît attendre deuxième partie. Nous causons un petit peu l'Ola wa sallillahum ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sayakunu min ummati dajjalun kathabun 27 منهن أربعة نسوة. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans mon ummat poina 30 kathaboun dajjaloun qui pour amen pour étendre qui sont prophètes là dans 4 madames illa annani wa ana khatamun nabiyin wa la nabiyya ba'di. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sauf que moi la fin de la prophétie et après moi pas aucun prophète. Alors, donc, frère en islam, vous pouvez trouver ça, hadith-là, peut venir vrai de jour en jour. Nous pouvons faire confusion entre mu'jizat et karama. Aujourd'hui, nous pouvons faire confusion qui s'en a bon dimon, qui s'en a mauvais dimon. Comment dimon a un problème? Quand on a un karamat,
Si vraiment, oui, Mu'jizat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam casse la ligne en deux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam casse la ligne en deux. Ça, c'est grand karamat. Qui fait? Parce qu'il prophète ce Mu'jiza, il n'est pas pareil avec karamat à l'awliya. Karamat à l'awliya, l'autre, Mu'jizat, l'autre, ou pas capable de faire pareil. Qui va être plus grand awliya? Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui plie supérieur? Abu Huraira ou bien Abdul Qadir Jilani? Si on a common sense, qui plie supérieur? Sahaba ou bien un san normal? Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et n'a quitté awliya aujourd'hui, qui plie supérieur qui? Abu Huraira ou bien Abu Tufail, dernier sahabi. Il mort en 110 Hijri. Et n'a, est-ce qu'il y a quitté awliya aujourd'hui qui plie supérieur qu'un sahabi? Pena. Et n'a karamat parmi sahaba? Oui, finina karamat. Mais qui était karamat finina? Hadith Abu Daoud. Oui, c'est là, je veux dire, Mantig, il fait une gaieté, une coute d'écoute, Mantig. Ou bien, Omar ibn Khattab, il monte le mimbar, il fait une cause avec Khalid ibn Walid dans l'Irak. Ça, c'est ben karamat. Mais aujourd'hui, quand on a un karamat, ben awliya, ben mubtadi'a. Quand on a un karamat, ben awliya, qui aujourd'hui nous peut dire cette awliya. Il peut être montagne, il peut écraser. Il peut donner rendez-vous, attends-moi le côté Allah dans l'Awhul Mahfouz. Abdul Qadir Jilani parle de l'Awhul Mahfouz, il parle ouvert, ouais, il arrive ça là. Mais qui s'en a fait supérieur? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il reste à l'Awhul Mahfouz. Allah peut dire, la alamul ghaib. Walau kuntu alamul ghaib, lastakthartu minal khayr. Wa ma massan yassou. Si moi si con. L'invisible, le futur, mais moi tu gagnes tout quelque chose dans mon avantage et jamais moi tu gagnes problème. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam panal là-bas. Abdul Qadir Jilani, d'après version, ban mubtadir, il n'a rien à l'ouvrir à l'Awhul Mahfouz. Kitabun mubin, kot Allah, il n'a pas dit. Quand il get, montagne, vient la poussière. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, il fait ça. موسى عليه السلام لن تراني فإن استقر مكانه فسوف تراني سأل الله سبحانه وتعالى جعله دكة الله فين فيها موتاي فين لابوشيه ما يسي عبد القادر جيلاني قال قد موتاي موتاي اكسبوزي سبحان الله ما يكي وبيادو غي الله وبي عبد القادر جيلاني مس مسكين هنا بروبلم عبد القادر جيلاني رحمة الله علي زيت فين كوز مانتي لولي alors donc nous bisa fait différence oui nous croyons de karamat nous croyons de معجزات mais pas à cause d'un livre. Même si Ibn Taymiyyah dit oui, il y a un djimoun, un awliya capable de relire les mots. Est-ce qu'il y a révélation ça? Wahi ça? Est-ce qu'il y a parole Ibn Taymiyyah wahi? Est-ce qu'il y a un djimoun pas d'accord pour faire péché? Ça livre ça. Nous disons que le Coran qui dit, le hadith qui dit. Aujourd'hui, chaque coin simé nous gagne un awliya pire, chaque coin simé. Qui s'en est déjà au pire ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un djimoun de djihad, les fins blessés, tout le monde sahaba peut faire son madh, peut faire son éloge. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut passer, peut guérir, peut faire éloge. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Houa fin nar. Houa fin nar. Qui les fins faire? Djihad. Les fins faire djihad pour Allah. Les fins laguer à côté Nabi Karim Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les blessés, tout le monde sahaba peut sympathiser avec lui. Pe onoli passo ban pour est-ce qu'il vient faire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit hu fi an-nar il est dans l'enfer et comment il est dans l'enfer un djimoun qui fait djihad dans l'enfer un djimoun qui n'lagué à côté Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'enfer qui est arrivé parce qu'il dernier il fait prendre couteau une picole vous savez dire sahaba pas capable témoin qui s'en a wali qui s'en a pas wali fala tuzakku anfusakum qu'est-ce qu'il a dit pas faire pas donne titre ou même هو أعلم بمن اتقى الله سبحانه وتعالى تسل كنيك سنين تقوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب محمد صلى الله عليه وسلم جاء سيتي بوينا النبي أبري ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب سو قصر سو شاتو دا باغادي محمد صلى الله عليه وسلم جاء لفين جيتسا ان قصر لرجل عربي ان عرب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جبريل كسنة عمر بن الخطاب رضي الله سو شاتو دان باغادي شيطان كتروف لي باسن لوت شومين
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kitsa ka ite sahabi. Me li, li pial koten sahabi je kum sa, eski molo la lis munafik? Eski molo la lis munafik? Un sahabi li pa kabab, li paye pou don li mem chit, li pa konne ki ka arrive li. Aujourd'hui, sa koinsime nou gen pire. Ki sa nen jeta pire sa? Ki sa nen jeta pire sa? Tout pire partout. Et la plus pas pire se trouve dans l'Aisne. Par accident ça. Pire, pire dans l'Arabie. Tout Wahhabi dans l'Arabie. Pire dans l'Aisne, India. India, Pakistan, Bangladesh. L'Arabie, place Mubarak, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Place, il y a 100 000 sahabis. Il y a un awliya. Mais pire, pas trop pire. Là-bas, il y a pire. Les frères ensemble, fais où l'esprit travaille. Fais où l'esprit travaille. Nous disons ce Coran, Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, nous pas exagérer dans le monde. Là, peut trouver Imam Mahdi levé. Et ça qui s'agrinant. Ben, le monde qui pas les apprendre. Et n'a pas gagné confusion. Imam Mahdi pour venir, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire. Pas Imam Mahdi voyou. Pas Imam Mahdi escroc. Pas Imam Mahdi braconnier. Imam Mahdi pour sauter dans l'aine. Imam Mahdi pour sauter dans le Pakistan. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mahdi, li pouena mon nom, et non mon papa, Muhammad ibn Abdullah, Rajulun Arabi, Qurayshi, yen Arab, Quraysh, pas tout Arab, Qurayshi, sa loya, est-ce qu'il vient là? Est-ce qu'il est Arabi? Est-ce qu'il Qurayshi? Comment nous faisons ça? Comment musulman, apprends-nous din, pour que Jimon n'a pas embêté nous, apprends-nous din, bizarre prendre l'aqidah, Qur'an, sunnah, pour qu'il nous capable de signifier, et get bien, inna hadha l'ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ça dit, ça l'éducation là, ça même nous dit, get bien avec ça, nous peut prendre notre éducation. Nous, l'éducation simple, tout le temps, pourtant, dit que nous causons ça même. Qur'an, sunnah, ça qui sahaba ne fait. Nous pas cause de rien, nous pas suivre, ulama. Ulama, oui, nous prend l'île, nous comprend. Mais c'est vrai, nous ne suivons pas l'ulama. Nous suivons Allah, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Kullun yu'khadhu min qawlihi. Imam Malik, rahmatullahi alayhi wa sallam. Parole, l'île, il peut dire. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Illa sahib hadha al-qabr. Tout jimoun nous prend cette parole. Si cette parole conforme avec Quran et Sunna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa yurad, nous résette n'importe qui s'en a cette parole. Ibn Taymiyyah, Imam Malik, Ibn Kathir, Tabarani, n'importe qui s'en a, nous résette cette parole. Si cette parole contredit Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, tu dis ferme avec Oudin, blie ça Imam Mahdi, c'est un kazab dajjal. C'est un kazab et un dajjal. Alors restons avec ça, Benjamin là. Apprends Oudin, demande Allah subhanahu wa ta'ala, Ya muqallib al quloub. ثبت قلوبنا على دينك. Oh, c'est lui qui tourne les quilles. C'est lui qui tourne les quilles. إن قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Les quilles, Jimon, ils ont dit les doigts. Demande les doigts, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas connaît comment Allah est-il. C'est mal, Allah, il tourne les quilles. Ya مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya مقلب القلوب ثبت قلوبنا على القرآن والسنة. Tiens, nous les quilles, le Coran et Sunna. يا مقلب القلوب protège nous les quilles contre shirk. يا مقلب القلوب protège nous les quilles contre بدعة. يا مقلب القلوب protège nous les quilles contre الأئمة المضلين. Contre ban chef qui paye gagne nous. Allah subhanahu wa ta'ala ou bise fait sa du'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala garde nous jusqu'à la fin. L'eau, la vérité. Et pour cela, nous disons assalamu alaikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.